Salut à tous, ici Boya pour une toute nouvelle vidéo Vide-Grenier Live. Ben aujourd'hui, on s'est levé un petit peu plus tôt, ou un petit peu plus tard, ou plus tard, je dirais même, parce qu'il est 5h45. Donc aujourd'hui, on va faire un petit vide-grenier, parce que sur Marseille, comme il y a les soldes, c'est le week-end des soldes, ben, il y a moins de vide-grenier qui est ouvert, la plupart sont fermés. On va bouger en dehors de Marseille également. Vu qu'il y en a quelques-uns en dehors de Marseille, ben, on va en profiter. Par contre, il ferait un petit peu gris. Donc, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde? Je sais pas. Je sais pas du tout. Après, je m'attends pas à Mose et Merveille. J'y vais plus en temps en promenade aujourd'hui. J'attends pas grand-chose. Si je peux trouver des jeux Switch, ce serait cool. Si je peux trouver des jeux PS4, ça serait cool. Et si je peux trouver du rétro, ben, ce serait encore plus cool. Mais bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu. On va croiser 2-3 collègues sûrement qui vont faire les VG avec nous. Donc ça va être plutôt cool. Et puis voilà. J'espère que de votre côté, les VG sont bien en ce moment. Je sais qu'avec l'été, la plupart s'arrêtent. Nous, je sais que sur Marseille, il y en a quelques-uns qui s'arrêtent jusqu'en septembre, que ça reprenne l'école. Donc c'est vrai que de notre côté, il va en avoir moins. Mais bon, l'été, vu que je bouge un petit peu plus loin, des fois je bouge même à 1h, 1h30 de Marseille. Donc on devrait faire quelques villages, ça serait cool. Et puis voilà, c'est l'été qui commence. Et la plage, la piscine, on va bronzer un petit peu parce qu'on est blanc comme un couille, comme on dit. Et l'intro a été assez longue. Je vous laisse sur les quelques images. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir. Et je vous laisse sur les quelques images. Ciao l'équipe! Je peux pas, moi, je peux pas tout faire. Non, on fait pas comme ça. On arrête tout là. Je fais ça parce que. Quand t'arrives dans un vide-grenier et que c'est que des brocanteurs et qu'il y a 5 exposants, je te dis que la journée a très, 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 très mal commencé. Mais alors vraiment très, 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 très mal. Je te dis merde, je me suis frappé 40 bornes ou 50 bornes pour un VG qu'au final. Dépité hein. Et si je bouge ailleurs ici ça va déballer, si je vais ailleurs ça a déjà déballé depuis un moment, donc là en fait ça, je sais pas quoi faire, donc je réfléchis mais je sais pas du tout quoi faire. Pff, fais chier. Bonjour. Bonjour, vous la vendez combien la manette s'il vous plaît? 8 euros. 8 euros. Merci madame. De rien. Bon ben le premier vide-grenier c'était que des brocanteurs. Il a commencé à pleuvoir en plus. Donc ben là on bouge sur un second vide-grenier, mais bon, vu qu'il est 8h on n'y croit plus trop. Après si on peut trouver même un petit livre ou un petit blu-ray qu'on n'a pas, ben, ça fera toujours plaisir, on ne sera pas levé pour rien. Et bah j'ai récupéré également un jeu Switch que mon pote avait chopé en solde pour moi, donc on va dire que je suis pas monté à une demi-heure de Marseille pour rien quoi. Je me suis récupéré même un petit jeu Switch qui était en solde. Allez on va sur le second VG. Ciao. C'est que des boîtes vides hein. C'est que des boîtes vides ouais. Que ça ouais, c'est que pour les gens en loose. Tu les fais combien les boîtes vides? Il y a 1 euro et les plus gros jeux c'est 2 euros. D'accord. Même les jeux de ceux-là c'est boîte vide? D'accord, c'est tout boîte vide. Ça c'est que des boîtes vides. D'accord. Bon l'équipe, voilà, je crois que ça résume la matinée, en plus il commence à pleuvoir, donc on va rentrer, on va faire ce petit débrief tranquillou à la maison, mais ouais, il y a des dimanches, il vaut mieux dormir quoi, comme quoi on ne trouve pas toujours des trucs,
n'y a pas que du beau, souvent. On te dit, ouais, on trouve toujours des méchants trucs, nanani. Non, on trouve pas toujours des méchants trucs. Donc, on va rentrer sur ce petit compte rendu tranquille. Allez, go l'équipe. Yo l'équipe, ici Boya pour la suite donc de ce petit live vide-grenier. Vu qu'on n'a pas fait beaucoup d'images la semaine dernière, ben aujourd'hui on est dans le Var. Et vous savez, chaque année que je pars dans le Var, je sais pas si c'est français mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi, on va rejoindre Nico. Nico, célèbre, connu comme le loup blanc dans le Var, parrain et maître incontesté du Var, je crois. Parce que chaque fois qu'il me montre ses retours, c'est limite 2000, dans les années 2000, parce que c'est impressionnant encore hier ce qu'il a trouvé, pff, truc de fou. Par contre, vous savez que c'est très, 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 très bonheur. Là, je suis dans le tunnel de Toulon, et je comprends pas, parce que tu as le radar à l'entrée, le radar à la sortie pour le tronçon. C'est limité à 50, je roule à 50, ils roulent tous à 70-80. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que quelque chose est cassé sur Toulon? Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a pas mal de Toulonnais, il y a pas mal de mecs du Var dans mes abonnés, parce qu'on en discute assez, régulièrement, voilà, que ce soit sur les autres réseaux sociaux ou non. Et je vous laisse sur les quelques images et on verra bien si la légende du Var avec autant de rétro à bas prix va être effectif également aujourd'hui. Mais bon. On s'est pas levé pour rien, j'espère, et on verra ça tranquillou. Allez, je vous laisse sur les images. Ciao l'équipe. Lui préfère le sky tout court, Nico, je crois. Là, tu m'entends. Je ne vais même pas demander. Bonjour. À tout hasard, un jeu vidéo, vous allez avoir quelque chose? Non, pas juste. Pas de jeu vidéo, juste le pop. Oui. Le pop. C'est tout. D'accord. Merci, bon courage. Merci. Bonne journée. Camille, il vit. Comment tu vas? Ça va. Ça fait très longtemps. Vu que je viens qu'une fois par an, ouais, c'est sûr. Ouais, il y a plein de consoles. Ouais, tirer ça. Après, il y a Super Game Boy, j'ai plein de manettes. Mais regardez, après, c'est, j'ai plein de câbles. Ouais. Pour faire des trucs. Ah, bah, ploc et tout, ça fait ploc. Ça. Ah ouais, c'est un état. Tu as regardé là? Oh putain. Là, c'est regardé, et là, c'est ce qu'on a sélectionné. Oh, d'accord. Non. Putain, il a lâché une pièce. Ah ouais, ouais. Oh non. Oh putain. Bon, ah oui, c'est bon Nico? Ouais. Allez. Attends, mais là-dedans t'as regardé? Oui, on a regardé ensemble. Je peux regarder Nico? Ouais, vas-y. C'est pour ça que j'ai demandé avant de, de toucher. T'as pris le DuckTales? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu de... Ah. Il le fait à peu près combien? Bah, je sais pas, ça dépend du jeu. Ah, j'ai regardé cela, moi tu sais, c'est souvent les jeux en boîte. Et ouais, les jeux en boîte. Ouais. Ça non, c'est américain en plus. Super Battle Tank 2, tu l'as vu? Ouais, mais c'est US. Ah ouais, c'est US. C'est ce que j'ai vu. Hein. C'est de l'US, bof. Après, j'ai l'adaptateur. Hein. Non, c'est une étiquette en français derrière. Ouais, ouais, parce que ça a été. J'ai l'adaptateur importé, universel. Hein. T'as regardé les jeunesses, ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Bon, on va regarder. Bah, attends, ouais, je te dis un peu. Ouais, mais attends, on va, ouais, t'inquiète. Ouais. Je laisse là pour le moment. Ouais, ouais, ouais. Tiens, je te remets ça dedans. Ah, les Dragon Ball Z, tu l'as mis avec les Dragon Ball Z. Ouais. Mais je reconnaissais pas la jaquette. Non, bon, moi je veux voir quelques jeux là. Je vais avoir une bonne idée, j'ai un peu de temps.
30. Hein. D'accord. Non, non, je crois qu'il a 30. Oh. C'est quoi qu'il y a un jeu 3DS? Ah, 3DS, ça se passe. Hein? C'est un petit truc sympa. C'est pas nouveau, hein. Ça, vous n'avez pas... Non, non. Ouais. Non, laisse. Attends. Ah, le miroir, ouais. 5 euros. Il est en cuivre. Quel problème. Il est vieux. J'ai une machine à coudre aussi, une vieille machine à coudre. Ah, il n'y en a pas là. Non, le miroir, mais ça s'achète ça. Ah, ouais, c'est surtout ça qui est en retour. Hein ? Non, c'est pas celui-là. D'accord. Ça, t'as dit que t'as pas un problème de prix. Ouais, il n'y en a pas. Là. Ouais, mais c'est une belle pièce. C'est un truc. Il joue dans le coin ? C'est bon ? En bois ? J'ai demandé au cas où, après je vais voir avec lui. Mais... Il y a quoi d'intéressant sur France ? On est pas nickel, il y a un truc qui fait rire. C'est une CIA ? Boîte vide, non ? Bon, on va voir. Ça n'a pas l'air lourd. La manette, la play, elle est jolie aussi, tu veux ? Ouais. Elle est en état. Non, ça va, j'ai nickel. Ah ouais, quand même. Là, il faut faire du sol, hein. Ah, j'ai mis tout ça, la manette. Tout fonctionne, ça je le sais, parce que ça a été testé encore hier. Et les tickets de caisse, ils sont... Moi, après moi, les collabs, j'ai déjà... Ouais, les deux tickets, des tickets des jeux et le ticket de la console. C'est pas une DS que vous avez là-bas, non? Non, j'ai pas de DS. Un jeu vidéo, c'est tout ce que tu vas avoir. Comment ? Un jeu vidéo, c'est tout ce que tu vas avoir. Et en manette, tout ça, c'est au rétro. C'est que du USB, que du USB rétro. Ça va, merci. Ils sont de plus en plus propres. Tu vois ? Ah ouais, ils sont propres. Mais tu la sors, tu la touches, tu sens qu'elle est pas... Même le cadrage, je l'ai mal fait. Ouais, l'écriture elle est floue quand même. Elle est floue l'écriture du Dragofeu. Ouais. Tu as demandé les prix ? Non, j'ai pas demandé, il m'a dit ça à la carte. Quoi ? J'ai mis à 10 heures la carte. Ah ouais. Ça, tu vois que c'est une phase de suite. Ouais. Bonjour. La carte, vous la faites combien ? 1 euro ? Merci. Il y a des jeux, il y a pas mal de choses. Il y a quelques trucs qu'on m'a dit qui étaient sortis, mais bon. J'ai pas vu la couleur. Ah,
Il manque que le stylet. Oui, après ça, ça se rachète. Un 144e. J'ai l'an plus grand celui-là. Vous le faites combien? Je le fais 5 euros. C'est mon dernier qui me reste. Ça aussi. Ouais. Ça me fait toujours joli bien. Ça me traîne, tiens, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Ouh, emballe-toi. Ah là-bas il y en avait, mais Minecraft il y en avait. Ouh, emballe-toi. Attention, 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 tu vas t'emballer un peu plus là quand même. Ça va. Tu vas t'emballer. Je l'ai jamais vu en VG, je l'avais chopé une fois sur le bon coin, mais jamais vu en VG. Et attention, tu vas t'emballer un petit peu plus, c'est vraiment pareil. Ouais, un peu moins. Un peu moins. Il est propre. Voilà. Ça c'est l'histoire que moi je prends à droite et lui à gauche. C'est souvent l'histoire de ça, d'un grenier, c'est où il y en a, il prend à droite, là. Je prends à gauche. Mais celui-ci, ouais, je savais qu'il est... C'est bizarre. Donc voilà, donc pour le petit compte rendu de ces deux vide-greniers, parce qu'on a fait donc deux dimanches, on a eu un petit peu moins de vidéos. Donc là, je vais vous présenter du moins bon jusqu'au meilleur, selon mes goûts, bien entendu, parce que le moins bon peut être le meilleur pour quelqu'un, et vice-versa. Donc deux petits jeux Xbox 360, le Dragon Ball Z Burst Limit, et le Cars 3, qui est le dernier sorti sur les Cars. J'en vois pas souvent des Cars 3, alors que c'est vrai que on en voit souvent en magasin par contre. C'est bizarre, peut-être pas été énormément vendu non plus. À la même personne, j'ai pris une manette Nintendo 64, mais avec la prise USB, comme ça si je veux jouer à un jeu Nintendo 64 sur émulateur, ça me permettra d'y jouer directement avec la manette de base. Hors jeu vidéo, j'ai pris des seinen. Yo m'a fait regarder sur Netflix Prison School. Alors on va dire que c'est vraiment typiquement du japonais. Des filles avec des... comment on peut dire ça? Des atouts très conséquents, mais très 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 conséquents. Beaucoup de dénudés, enfin voilà. Donc là il y avait 5 tomes, malheureusement ils ne sont pas dans l'ordre. Il y a le 13, le 17, le 19 et le 20. Et une petite histoire avec la vice-présidente. Donc je pense que vous pouvez voir que niveau taille de ses atouts, c'est assez inhumain. Mais je sais que l'anime était plutôt cool. Après, c'est pas un truc que tu vas revoir 50 fois dans ta vie ou un truc qui te marque à vie. Mais ça se regarde. Il y avait quelques petits épisodes. Je crois qu'il y avait une dizaine à peu près. Ça se regarde entre deux repas. Franchement, ça me faisait un petit manga, un petit anime à regarder sur Netflix. Et j'ai également récupéré, vous avez pu le voir dans le live, une petite DSi. Le prix était assez attractif là, pour la somme de 15 euros. Dedans, il y avait le Mario Kart sur DS, la console. Et en fait, celui qui m'a fait prendre le lot, c'est le Lunar. Je pense que vous ne le connaissez peut-être pas. C'est un jeu assez peu connu qui était sur la Play 1, malheureusement sorti qu'en US. Et celui-ci est en US, mais il me semble qu'en DS, il existe en version européenne. Après, pour la somme de 15 euros, on va dire que ça mange pas de pain, franchement. Vous avez vu également une petite personne qui vendait... une petite personne, je sais pas pourquoi je dis toujours petite. Parce que peut-être petit, je suis petit, donc de taille, je suis pas très grand, 1m72, c'est pas très grand, donc j'ai ce mot assez facile à la bouche depuis presque 6 ans sur YouTube, je dis le mot petit assez régulièrement. Je pense que vous avez compris que c'était un petit tic, ou un petit. Des boîtes vides pour la somme de 1€, il y avait le Bravely Second en 3DS, il y avait également le Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit. Ils sont complets sauf les jeux, donc il faudra trouver les jeux prochainement. Pokémon Rangers, plutôt cool. Il y avait également le Pokémon version Argent Soul Silver. Celui-ci n'a pas la notice, malheureusement. Après, pour 1€, ça mange pas de pain. Niveau boîte, je crois que j'ai mélangé avec celle que j'avais déjà précédemment. Donc j'ai récupéré quelques titres sur Nintendo Switch, enfin des boîtes vides, malheureusement. Il y avait le Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Il y avait également le Mario Kart Deluxe numéro 8. Mais celui-ci, je le possède en complet, donc ça va. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Malheureusement, je suis un peu deck. Celui-ci, je l'avais loupé à Micromania quand il était à 5€. Le One Piece Pirate Warrior numéro 3, le Deluxe Edition. Malheureusement, je ne le possède pas. Là, je suis un peu déçu, c'est que la boîte. Il y avait également le Pokémon Donjon Mystère Équipe Secours DX. Le Captain Toad, le Spyro
Ouais, la trilogie des Spyro sur Switch, ça pourrait être cool. Mais bon, je l'ai déjà sur Play 4. Le Crash Bandicoot, la trilogie également. Celui-ci, je le possède sur Play 4. On a déjà fait le 1 et le 2 avec la Pichoun. On devrait essayer à finir le 2 surtout. Il y a également le Super Mario 3D All-Star. Celui-ci, je le possède en complet. Je vous l'avais fait gagner également avec un concours avec la boutique Game Club de Aix. Il y avait également le Yoshi Crafted World. Celui-ci, je ne l'ai pas chopé en solde, malheureusement. Et là, ben, c'est que la boîte vide. Et le dernier, le Super Mario 3D World plus le Bowser Fury. Dommage. Ce ne sont que des boîtes vides. Et on va finir par les trois derniers jeux de ce lot de cette journée, de ces différents vide-greniers. Malheureusement, je pensais ne pas les posséder. Je les possède déjà et en moins bon état. Donc ben, malheureusement, on ne peut pas laisser du SNES en boîte. Mes potes ont pris les meilleurs titres. Mais bon, je les possédais déjà en meilleur état. Et là, j'ai pris le Super Battle Tank numéro 2. Celui-ci, ben, c'est un import, donc je me suis dit que ça peut être plutôt cool pour quelqu'un qui collectionne l'import, je peux peut-être faire des échanges. Il y avait également le FIFA Soccer numéro 96, FIFA Soccer 96, NBA Jam TE Tournament Edition. Celui-ci est un peu moins courant par rapport aux autres. De mémoire, je crois que j'avais payé 30 balles le lot, donc 10 euros pièce, ça reste assez correct quand même pour du Super Nintendo en boîte. Après, c'est sûr que c'est pas du Mario Kart ou du Goof Troop que mon pote a pris. Mais bon, ça reste assez correct quand même. C'est un petit vide-grenier live de mon côté. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas de votre côté ce que ça donne. Niveau cartes Pokémon, il y a de plus en plus de cartes, mais de plus en plus de fausses également. Je ne sais pas de votre côté si ça se voit assez régulièrement, mais moi, je trouve de plus en plus de vide-greniers où les gens vendent que des fausses. Ou alors, minimum une ou deux personnes qui vendent des gros classeurs de cartes avec des grosses cartes entre 5 et 100 euros la carte. Donc, voilà. C'est devenu monnaie courante maintenant les cartes Pokémon depuis que Michou, depuis que David Lafarge, enfin voilà, depuis que ce petit groupe là a parlé de prix assez important au niveau des cartes Pokémon, ben on en voit de partout. C'est la débandade. Donc je sais pas de votre côté si ça vous plaît que je vous filme de temps à autre un petit peu des cartes Pokémon ou si j'en récupère. Mon neveu me dépouille assez rapidement, mais bon, j'essaye quand même de les filmer et de vous les montrer. C'est toujours cool. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, commenter et partager si ce n'est déjà fait. À nous rejoindre sur la chaîne Twitch. On fait des lives le lundi soir et le jeudi soir. Je l'annonce sur mes différents réseaux sociaux. Et n'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne secondaire où la rediff des lives sont mises. Voilà, c'était Boya. Jouez bien, collectionnez bien. Ciao l'équipe. À bientôt pour une prochaine vidéo.